Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré le temps qu'on vit. On est tous en confinement chez nous. J'espère que cette petite vidéo va réussir quand même à vous donner le sourire en ce début de semaine. Aujourd'hui, je vous présente le meilleur TikTok du Québec. C'est un vrai bijou. Je vous le dis, là, vous allez capoter ben raide autant que moi. N'en déplaise au Kevin Marquis de ce monde, la chaîne que j'ai choisie qui est la meilleure selon moi du Québec, c'est Trotsy Squad. La chaîne a juste 1200 abonnés, mais elle nous présente une madame qui nous fait penser à notre très chère Yolande Ouellette. Ben là, dis-moi pas que tu sais pas c'est qui Yolande Ouellette. Voyons, tabarnak, ça se peut pas, là. Ben check ça, je te mets un extrait, c'est qui Yolande Ouellette. C'est un petit baveux qui partageait pas le chemin. Il avait un petit char bleu marin, puis il voulait pas me faire passer. Alors, il est rentré dans mon auto. Puis moi, j'ai répliqué, j'ai rentré dans la sienne. Non, c'est lui. Vous comprenez ce que vous voulez ou ce qu'il a dit? Où est-ce qu'il est, le petit bonhomme? Il devrait être ici demain matin, lui. Puis il y en avait deux qui le suivaient en arrière, c'est ces deux chums. Deux bonnes aussi. Il y en a trois qui sont impliqués là-dedans. Puis eux autres, ils m'ont barré le chemin avec le petit char gris. Puis je pouvais rentrer dedans. Donc, vous voyez, c'est quel genre de bonne femme. Là, on revient à notre TikTok. Là, on découvre notre bonne femme où elle lance un avertissement à un certain Jean Vallière. C'est vraiment épique. On regarde ça. Je te crisse les flics au cul, Jean Vallière. Je te colisse les flics au cul. Je dépose une peine contre toi, mon tabarnak. Tu mangeras un char de marde, mon colisse. Ta crisse de putain qui est en bas. J'ai vu ton petit copain sortir du site colisse avec toute ta crisse de face, Jean Vallière. Puis je te colisse les flics au cul, mon tabarnak. Je sais que c'est toi qui es en arrière de ça, sti. Là, je suis rendu que je dois 500 pièces de facture, sti. C'est la crise de putain en bas. C'est pour ça qu'elle colle son casse-serré de la tabarnak. Parce qu'elle savait la petite crise. Mais plein d'électriques, t'es frais de cet hiver, c'était pas pour rien, calice. Toi, moi, tabarnak, ça marchera plus de même, tabarnak de Saint-Cyboire. Là, j'essaie de rejoindre notre propriétaire. Je paierai pas 500 pièces de facture d'hydro. Oublie ça, mon Chris. Si je paye 500 pièces d'hydro, t'as un flou. T'as un flou. Oubliez pas. C'est un avertissement, Chris. C'est vraiment malade, là. Puis là, on en rajoute une couche avec une deuxième vidéo. Mon Chris d'écœuré. Avec ta gang de petits Chris de petits mongols. Je sais, je t'ai vu la crise de faire sortir d'en bas, mon tabarnak. Ta crise de putain s'était plaignée dans mes affaires, mon colis. Il n'y a qu'une chose que je veux te dire, mon tabarnak. Tu restes au 66 rue Vanier. T'as un flou, mon colis. T'as un flou. Je t'ai vu au Lac des Nations avec ton flou. C'est ce petit-là qui travaille au Lac des Nations, bénévole. Le Jean Vallière qui fait du bénévole l'été, qui marche avec une canne qui est costaud. Il fait partie des Hills. Il fait partie des pédophiles de Sherbrooke qui venaient le cul des enfants. C'est la face de Véro, là. Avec son esti Mario Bérubé, pis son autre petit crise de petit trou de cul, là. C'est lui qui l'a dénoncé, son Jarvelier. Mais là, déjà rendu là, juste avec ces deux vidéos-là, il y en a quelques-uns qui, là, ils commençaient à triper dessus un peu comme moi, pis là, on s'abonnait. Mais là, elle, elle catchait pas pourquoi que les gens s'abonnaient à son compte. Qu'est-ce que vous me voulez, calice? On se décolle, tabarnak! Là, j'ai assez hâte que cette crise de maladie-là, elle passe. Mais que ça passe, je fais les bagages. Bye, bye. En tout cas, ça a l'air d'une crise de bonne femme pareille. Elle s'est fou la marde autour d'elle n'importe où. Puis même, qu'est-ce qu'on comprend dans sa quatrième vidéo, c'est que les gens, là, ils l'haïssent tellement, on dirait qu'ils l'accusent faussement de plein d'affaires. En voulez-vous une bonne? La tabarnak à char rouge, cheveux longs noirs qui se tient avec Martel, c'est sa blonde, est venue ici puis déposer une plainte pour dire « Ah, je reste avec ma chum de fille dans le logement. Hey, il y a un petit gars qui reste là. Il y a un gars qui reste là avec la barbe longue. Il a un assez de réseau de drogue. » Puis là, elle dit que je suis allé colisser mon cellulaire dans sa fenêtre. « Hey, Chris de folle, je sors même pas dehors avec mon cellulaire. Il est pété, mon sel, espèce de conne. » Ah, c'est-tu, Chris, que le monde s'en tombait sans dessin? Là, le policier m'a accusé. Il m'a fausse, m'a accusé, Collis! Mon avocat est au courant. Mon frère est au courant. Mes chums d'amis sont tous au courant de ce qui se passe ici. Hey, Chris de tabarnak, s'il a passé un esti de pot de veste, Collis de
de flics-là. Hey, j'espère que ça t'encourt dehors, ces crises de flics-là. J'aimerais ça vous les montrer, tabarnak. Puis je me gênerai pas d'aller montrer leur colis de plaques, leur crise de matriculation. Je savais, tabarnak, que les flics allaient revenir. Je le savais. Puis la dernière vidéo qu'on a, on dirait qu'elle a vraiment hâte que Martel... Non, c'est pas trop c'est qui, Martel. Il fasse le ménage dans le bloc. Ça doit être le proprio, genre. Hey, c'est une colisse de folle que t'es en bas! C'est une colisse de folle! Hey, c'est... Appelez à l'autre, elle fait d'abord. Moi, je reste avec ma chambre de fille. C'est fou! Fou! Il y a un gars qui reste là avec un petit gars! Ah, c'est vrai, oui, il vend les fils. J'ai pas pensé à ça. En tout cas, moi, je reviens pas. Je vais continuer à faire mes téléphones. Là, j'en ai mon esti de voyage. D'avoir une colisse de gang qui est après moi. Puis ça arrêtera jamais. Puis ça, je le sais. Moi, je vous laisse. J'ai des téléphones à faire. Je reviens pas, colisse. Qu'est-ce que je reviens pas? Je reviens, colisse, pour pas entendre des grosses crises d'attaque que j'ai après moi. Est-ce que je reviens pas? Je vous laisse, la gang. Bang. Hey, c'est débile. Je vis dans un monde de débile mental. En tout cas, cette bonne femme-là est juste parfaite. Moi, je vais continuer à la suivre, puis je vais peut-être vous reparler dans le futur, si vous voulez, bien entendu. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo-là vous aura mis de bonne humeur, vous aura fait rire, sourire, et sur ce, on va se dire à la prochaine. Salut!